Oui, alors il y a eu plusieurs axes qui m'ont fait vraiment changer de cap. Normalement, j'aurais dû suivre un parcours très classique, très traditionnel. Je faisais partie d'une famille qu'on qualifierait de, enfin qu'on qualifiait d'ailleurs à l'époque de bourgeoise. Et j'ai vécu des expériences douloureuses et très traumatisantes et très traumatiques quand j'étais toute petite, mais qui ont été complètement occultées. Et dont j'ai pris connaissance simplement à la quarantaine. Donc en fait, toute ma première partie de vie a été très assombrie, sans que je sache d'où ça provenait. Et donc j'étais une enfant timide, très réservée. J'avais deux sœurs qui étaient plutôt exubérantes, joyeuses, enfin pleines de vie. Moi, j'étais plutôt retirée et dans mon coin. Et en fait, il y a eu un premier événement. Vous parlez d'événements comme ça qui changent le cours d'une vie. Si je réfléchis, ou lorsque j'ai réfléchi, et c'est tout à fait d'actualité, c'est mai 68. Parce qu'en mai 68, au mois de mai 68, j'ai eu 15 ans. J'étais en seconde et dans un lycée de filles, lycée de jeunes filles, comme on disait, dans le 16e, au lycée La Fontaine, c'était très strict, c'était très. Et un jour, il y a une manifestation de soutien, une manifestation des lycéens pour soutenir les étudiants. Et alors c'était la grande aventure, on est tous partis de La Fontaine, enfin quand je dis tous, c'était plutôt toutes, mais on a rejoint d'autres lycées, des lycées de garçons. On a rejoint le lycée Janson de Sailly, vous voyez, pour nous c'était, mais je ne peux pas vous dire, c'était le tabou absolu qui était franchi, c'est-à-dire qu'on s'affranchissait de l'autorité, c'est-à-dire qu'on n'allait pas en cours. On était dans les rues, les parents ne le savaient pas. On entendait parler de 68, mais vu, enfin des événements hein, de Saint-Michel. Mais vu du 16e, c'était quand même très assourdi, parce que comme il n'y avait pas de métro, on ne pouvait pas y aller. Donc, puis en plus, on n'avait pas le droit, nos parents, enfin mes parents m'interdisaient. Donc là, c'était l'expérience. Avec le recul, je me suis dit, c'est ça qui a été la première autorisation à dépasser l'autorité, alors à la fois l'autorité du lycée, mais l'autorité des parents aussi. C'est vrai, quand on est rentré chez nous, mes sœurs, alors on était, j'ai deux sœurs, elles étaient chacune dans un bout du cortège. Je sais pas si ma toute petite sœur y était, enfin ma sœur aînée y était. Évidemment, on s'est fait très mal voir par nos parents. Mais peu importe, on avait fait notre grand mai 68. Et pour moi, ça a été, il y a une autre vie possible. Il y a une beaucoup plus grande ouverture que ce à quoi je suis destinée. Je ne savais pas trop à quoi j'étais destinée. Enfin, c'était un peu étriqué pour moi. Je sais pas, c'était un peu triste. Et puis je vous dis, avec toute cette enfance triste comme ça, là, ça a été un immense souffle de vent dans ma vie, vraiment. Et qui m'a autorisée, en fait, ça a vraiment été le déclencheur. C'est tout d'un coup, on a le droit. Tout ce qui était interdit, ben, on a le droit de le faire. Et l'année suivante, quand j'étais en première, et eu un petit test, vous savez, de ces tests de filles, là, quand on est dans les. J'étais toujours dans un lycée de filles, qui me disent y a un magazine féminin qui cherche des mannequins pour faire des photos, est-ce que tu veux venir? C'était un peu un défi, hein. C'était t'es cap ou t'es pas cap. Moi qui étais la timidité même, j'ai dit, mais bien sûr. Je pense que sans cet événement-là de la manif et de tout ce qui s'était ouvert et débloqué en moi, je n'aurais jamais accepté. Et en fait, j'ai été prise, et pas elle, à la suite de cette histoire, parce que du coup, j'ai été effectivement face dans un studio de photographie, face à un photographe, enfin, un truc de même. Pour moi, c'était comme un autre monde, une autre planète, et pourtant, je l'ai fait. Et en plus, c'est moi qui ai été choisie. À la suite de ça, une de mes sœurs et ma sœur aînée est devenue mannequin parce que nos parents, comme ils avaient vu que ça s'était bien passé, ont autorisé ce qui était invraisemblable. Mais il y avait aussi l'esprit de 68 qui soufflait, enfin post-68. Et je raccourcis, mais parce qu'il y a eu un autre événement, quand vous parlez d'événements comme ça qui sont vraiment déclencheurs de changement, c'est que je me suis retrouvée à New York pour aller voir ma sœur qui était devenue mannequin et qui travaillait à New York. Et là, il y a eu encore quelque chose de très très fort qui m'a fait me dire, bon, je venais juste de commencer des études au quartier latin, et je me suis dit, non, c'est pas ça. Je veux moi aussi voyager comme elle, gagner de l'argent, être autonome, vivre, sortir de chez mes parents. Et vraiment, ça a été, tout mon parcours, ça a été de m'extraire de cette espèce de,
on va dire, un peu de solitude, même si j'avais une vie heureuse avec mes sœurs, ma famille. C'est pas, j'ai eu une vie heureuse, je me plains pas du tout de mon enfance, mais du fait de ces traumatismes ignorés, il y a quelque chose quand même dans ma psyché qui était très lourd et je n'arrivais jamais à trouver ma place, à me mettre face aux autres. J'étais toujours retirée, effacée. Et ces grands événements-là m'ont aidé à m'en sortir. Et le fait de devenir mannequin, parce que c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait. Moi qui étais mais archi timide, je ne peux pas vous dire, il y a des moments de ma vie comme ça, je me disais, allez, j'y vais. A fait que mon mari a vu des photos, enfin celui qui allait devenir mon mari, a vu des photos de moi, a demandé à me rencontrer. Et voilà, on a eu une petite fille et que nous avons perdue par la suite. Et voilà l'événement majeur de ma vie qui a fait que, en raison de ce deuil, j'ai 10 ans après, d'abord j'ai reconstruit une famille et 10 ans après, je me suis vraiment, j'ai ressenti vraiment un très fort appel intérieur et j'ai commencé un chemin spirituel qui a permis. Et en voilà, fini avec les événements de ma vie, qui m'a permis, le jour où je me suis réveillée, ou, enfin réveillée dans le sens où des capacités comme ça de guérison sont venues m'envahir, ça m'a permis de comprendre ce qui m'arrivait, de savoir ce qui m'arrivait, d'être très étonnée que ça m'arrive à moi, mais de ne pas avoir peur. Et en fait, c'est tout cet enchaînement-là, sortir de la gangue de l'enfance pour chaque fois oser, et puis accepter, me dire, si, quand j'ose et que je fais, ça se passe bien. Et voilà. Et au lieu d'avoir une vie toute tracée, mon rêve, moi, quand j'étais petite fille, c'était d'être femme de médecin. Comme mon grand-père était médecin, et je me disais, ma grand-mère a une vie géniale. Voilà. Mais donc, c'était même pas médecin moi-même. C'était, voilà, dans mon petit coin derrière. Et finalement, tous ces événements-là ont changé le cours de ma destinée, on va dire. Voilà. Donc la petite fille que nous avons eue, mon mari et moi, a été victime d'un accident de non-surveillance. Enfin de double, pas non-surveillance, c'est bizarre que je dise ça, de double surveillance. C'est-à-dire que je croyais qu'elle était surveillée et la personne qui devait le faire ne l'a pas fait. Et voilà. Donc ça a été une mort accidentelle, hein, totalement... comme toute mort accidentelle, inattendue. Voilà. Et comment j'ai géré ça, je ne sais pas si on peut utiliser le terme gérer, hein, face à une épreuve pareille. Parce qu'en fait, on est complètement explosé, parce qu'en fait, on est comme une brûlure vivante quand on perd son enfant. En plus, j'étais très jeune, j'avais pas encore 24 ans quand ça s'est produit. Donc je ne sais pas si on n'est jamais préparé à perdre son enfant. Je pense que perdre un fils de 45 ans ou même de 50 ans quand on est âgé, c'est un désastre. Mais là, on n'a pas tellement la construction psychique pour le faire. Et pourtant, on traverse. Ça prend énormément de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps à m'en sortir. Et en fait, ma manière de m'en sortir, et c'est vraiment ma manière personnelle, avec le recul, parfois je me suis dit qu'on pouvait penser que c'était une fuite. C'est-à-dire que j'ai eu tout de suite, immédiatement, l'envie de reconstruire. Je me suis dit, je veux faire un autre enfant, je veux faire une famille, je veux recommencer. Je ne pouvais pas imaginer que tout ce bonheur qu'on avait vécu comme ça, avec cette petite fille, serait détruit à jamais, qu'il ne serait pas remplacé par un autre bonheur venu d'un autre enfant. Et donc j'ai tout de suite été comme ça dans le concret. Après je me suis dit ça pouvait quand même s'apparenter à un désir de ne pas affronter le réel, de ne pas... Bon. Mais c'était ma manière de m'en sortir et finalement ça m'a permis de ne pas m'effondrer. Voilà. Bon, je n'ai pas été exaucée tout de suite, loin de là, parce que j'ai mis 3 ans avant d'avoir une nouvelle petite fille. Mais pendant ce temps-là, inévitablement, il y a eu un travail de deuil, comme on appelle ça aujourd'hui, qui s'est installé, un travail d'acceptation, de pacification intérieure, de distanciation sur l'événement aussi. Et gérer, là tout d'un coup, je vois votre beau marronnier, et moi à ce moment-là, nous habitions, mon mari et moi, sur le parc Montsouris, au-dessus du parc Montsouris à Paris, et je ne pouvais même plus envisager d'aller me promener ou d'aller dans la nature. En fait, l'accident, c'était une noyade.
Donc la nature pour m'avait totalement trahi. Enfin, c'était quelque chose d'effroyable. Et il a fallu reconstruire sur tous les plans. Le plan ben, de l'être, quand on perd son enfant comme ça aussi, d'une manière aussi brutale, c'est comme une explosion, je sais pas, nucléaire, quoi. On part en mille miettes, donc il faut rapatrier. En chamanisme, ils appellent ça faire des recouvrements d'âme. Alors là, je pense qu'il a fallu recouvrer des bouts et des bouts et des bouts d'âme. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis quand même plusieurs années avant de réussir à avoir une autre petite fille. Et puis continuer à être dans le présent, continuer. Tout de suite, je me suis remise, enfin tout de suite, assez rapidement, je me suis remise à travailler aussi, parce que je vous dis, je voulais que ça continue. Je voulais pas, en fait, je voulais pas tant affronter que ça, le chagrin. Je l'ai quand même beaucoup affronté, mais comment dire ça? Ma protection, c'était de me distancier. Je me rends compte de ça avec les années. Parce que je vois beaucoup, évidemment, dans ma patientèle, je vois beaucoup de femmes à qui c'est arrivé. Et certaines sont broyées, sont effondrées. Et quand je me revois dans la même situation, je me dis, en fait, moi, j'ai eu une chance extraordinaire parce que j'allais de l'avant. Et à l'époque, j'ai entendu qu'on disait de moi, Agnès a du courage. Moi, je savais très bien que ce n'était pas du courage. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était mon moyen de m'en sortir. C'était ou ça, ou alors je m'arrêtais et je sautais par la fenêtre. Hein. Donc, gérer ces situations-là, je pense que c'est le temps qui nous aide à le faire. Hein. Et puis, je pense que chacun a son propre mode. Et puis que si on passe par l'effondrement, il y a un moment où, de toute façon, on va se relever. Alors pour moi, cet événement est le déclencheur unique de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très bien formulé, mais si vous voulez, si je n'avais pas vécu ça, je pense que j'aurais continué dans la vie très agréable que j'avais avec mon mari et avec mes deux petites filles. J'ai eu la chance, pour moi c'était un bonheur, mais absolu, d'avoir à nouveau deux autres petites filles. On était très heureux, la vie était douce, c'était facile, c'était... Il y avait évidemment le deuil au milieu de tout ça, mais c'était quand même une belle et bonne vie. Et pourtant, 10 ans plus tard, une fois que ça s'est un peu reconstruit, que les filles commençaient à avoir, je sais plus, en fait, être un peu grandes, 8 ans, 7 ans, j'ai ressenti comme un manque intérieur très très profond. Alors ce que je dois dire aussi, c'est que la mort de ma fille avait définitivement anéanti ce qui avait déjà été un peu abîmé à la mort de mon père, c'est-à-dire ma foi. Quand j'étais petite, j'avais une foi, j'étais d'un milieu catholique, ma grand-mère était très catholique, nous avait transmis comme ça sa foi. À la mort de mon père, déjà, ça a pris un sacré coup. Et à la mort de ma fille, ça a été définitif, ça, Dieu, fallait plus m'en parler, c'était la haine absolue, enfin de ma part envers lui. Et le fait de vivre comme ça, dans ce bonheur familial, ce bonheur des filles, des enfants, de mon mari, c'est quand même revenu parce que bon, je portais ça en moi. Et tout d'un coup, ça s'est manifesté sous la forme d'un appel, d'un manque d'abord et d'un appel. Et je me disais, comment est-ce que je peux oser me dire que je manque de quelque chose alors que je suis comblée après le drame qui est arrivé. Et pourtant, oui, ça manquait. Et du coup, j'ai commencé une quête initiatique, ce qu'on appelle une quête initiatique. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, j'étais en recherche comme ça. Et cette recherche m'a appris beaucoup de choses dans les domaines de l'invisible. Les domaines du monde énergétique, de l'anatomie énergétique, l'anatomie invisible, enfin toutes ces choses-là, ce qui fait que un peu plus tard dans ma vie, quand j'ai eu 44 ans, il y a une espèce de, comment on va dire, à nouveau de coup de tonnerre, et qui a été provoqué en fait par une séance de, enfin par un suivi en sophrologie, et qui m'a amenée à découvrir que j'avais été victime quand j'étais toute petite de violences sexuelles. Et en fait, bizarrement, ça a été comme si on enlevait le couvercle d'une marmite. J'étais en état de choc pendant un mois. Et au bout de ce mois, tout d'un coup, toutes ces capacités qui normalement auraient dû être actives et qui l'étaient peut-être avant mes 2 ans, avant la première agression, c'est-à-dire de voir les auras des gens, de voir des tas de choses, les petits enfants, tous,
ils voient énormément de choses, des plans de lumière et des mondes de l'invisible. Et bien là, ça s'est réveillé. Mais heureusement et grâce à ce chemin comme ça intérieur que je poursuivais depuis quelques années, j'ai su ce qui m'arrivait. Voilà. En fait, quand je regarde comme ça le déroulé de ma vie, je me dis que tout a été parfait. Enfin, je crois que c'est pareil dans la vie de chacun. Parfaitement ordonnancé. C'est une vraie broderie. Une chose en amène une autre qui peut nous faire déboucher sur une troisième. Et c'est comme ça que ça se passe. Et quand on est au... D'ailleurs, les épreuves, quand on est plongé dans une épreuve, en général, on est complètement perdu, désespéré, on est dans le noir absolu, on est dans souvent, bien souvent, un sentiment d'injustice terrible, de non-compréhension. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, tout ça a du sens. Je le découvrirai plus tard. Maintenant, c'est pas possible, là, dans le feu de la douleur. Mais tout ça a un sens et tout ça va m'amener à autre chose. Parce que c'est toujours vrai. Voilà. Alors, le drame des agressions sexuelles, surtout quand elles sont occultées, c'est que, par définition, on ne sait pas qu'on en est porteur. Donc, en fait, ces agressions m'ont rendue différente de certainement ce que j'aurais dû être. C'est-à-dire que d'une petite fille toute vivante, spontanée, joyeuse, etc., je me suis transformée en quelqu'un de très introverti, de très intériorisé. Ça, c'est sur le plan psychologique. Sur un autre plan, j'ai compris beaucoup plus tard, en étant devenue thérapeute et en ayant accepté comme ça toutes ces capacités de soins, voire de guérison que j'ai eu la chance extrême de vivre, je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait été un vrai challenge parce que j'ai été coupée dès mes 2 ans de ce que voit un petit enfant, ce que je disais tout à l'heure, n'importe quel petit enfant à le centre énergétique supérieur de la tête, là, grand ouvert, c'est pour ça qu'il voit, et c'est réel, des petits lutins, des fées, des choses, des êtres de l'invisible, qu'ils ont certains enfants, même sans en avoir du tout connaissance par une religion familiale, mais voient Jésus et connaissent leur nom, parce que j'en parle dans le livre à un moment donné, parce que tout simplement ils le rencontrent et que Jésus dit « je m'appelle Jésus ». C'est des choses complètement incroyables, mais les enfants ont un champ comme ça totalement ouvert à des choses merveilleuses qu'on n'imagine pas nous adultes, parce que nous on nous a fermé toutes nos portes. Voilà. Donc moi ça a été encore plus fermé que pour un enfant ordinaire, et j'ai revécu ça quand j'étais adulte. Je me suis revue toute petite, j'avais la sensation de vivre dans une rivière de lumière. Une rivière de bonheur, et je pense que c'est ce que vivent énormément de petits enfants quand tout va bien dans leur vie, quand ils sont quand ils sont bébés par exemple, quand ils ont été nourris, qu'ils sont changés, qu'ils n'ont pas mal au ventre. C'est l'état naturel d'un tout petit bébé, c'est une espèce de bonheur absolu, d'extase en fait. C'est vrai, il faut le savoir, et moi je l'ai vraiment revécu ça. Et puis les petits-enfants continuent à pouvoir maintenir moins, et pas 24 heures sur 24, mais cet état, c'est-à-dire qu'ils font des allers-retours comme ça, dans juste le concret, j'ai faim, hein, tu m'as piqué mon jouet, et cette espèce de plénitude comme ça, de lumière. Hein. Et alors moi, après cette agression, eh bien tout s'est fermé, et j'ai vécu dans le noir complet, sans aucune aide spirituelle, aucune aide d'aucune sorte. Les petits-enfants voient aussi très souvent leur ange gardien. J'ai commencé à revoir le mien, mais je ne sais pas, je devais avoir bien 9-10 ans là, à l'époque. C'était quand même tard, mais sinon, bon. Donc j'étais dans un univers de solitude, jusqu'à ce que tout se réveille à 44 ans. Mais ce qu'on m'a indiqué, enfin ce que mes guides m'ont indiqué, eh bien c'est que ça m'avait fait développer une énergie, une force extraordinaire par moi-même. Et au lieu d'avoir toutes ces aides et de pouvoir un petit peu flotter, me laisser aller, j'avais ce but, je ignorais que j'avais ce but en moi, vous voyez ce que je veux dire, mais en fait je voulais retrouver la connexion. Et du coup c'est ça qui m'a poussée, qui m'a portée pendant toutes ces années. Je savais que je cherchais quelque chose, je ne savais pas quoi, parce que j'étais complètement plongée dans l'obscurité, mais j'ai fini par y arriver.
Ça a pris du temps, mais. Et ça, c'est vraiment dû surtout à la première agression pendant laquelle j'avais vraiment cru mourir. Et donc, j'ai compris, là, en tant qu'adulte, que j'avais vraiment vécu une mort psychique complète. Je m'étais vraiment. D'ailleurs, en vivant cette expérience-là, je suis tombée dans, vous savez, une espèce de. Quelques. Peut-être pas une minute, ça paraît très long, mais même si c'est 50 secondes de coma. Le noir absolu, ça je me rappelle très bien avoir vécu ça. D'ailleurs, c'est là que tout s'est fermé. Quand je vous parle de noir, c'est là que ça a commencé. Comme si tout d'un coup, on m'enfermait dans un placard, quoi. Et bah oui, ça m'a donné une force incroyable pour remonter la pente. C'est voilà, c'est ça ce que je. C'est comme ça que j'entends le bénéfice de ces deux histoires quand même terribles. Parce que les désagréments, ben, ils sont évidents, hein, comme pour chacun. Mais les bénéfices, en ce qui me concerne, ça a été ça. Et ça m'a donné vraiment cette espèce de détermination à chercher. Et une fois adulte, et une fois que ça s'est beaucoup plus précisé, que je me suis dit, comme tout à l'heure je vous disais, que j'ai entendu un appel intérieur, là j'ai dû reconnecter à ce qui se passait en moi 40 ans plus tôt et me dire il faut que je le retrouve, il faut que je le retrouve. Et je n'ai pas arrêté, j'arrêtais pas de lire, de chercher. Voilà. Le conseil que je pourrais donner aux personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, il y en a un seul, c'est de se faire aider. Parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Parce qu'on a. Alors, il y a deux sortes de. Il y a deux modes. Il y a les personnes qui ont été victimes et qui se le rappellent, et qui le savent, et qui disent, oui, quand j'avais 5 ans, mon grand-père. Parce que c'est très souvent familialement que ça se produit, hein, ces choses-là, malheureusement. C'est souvent le grand-père, le père, l'oncle, le grand-frère, etc. Et bon, quand la mémoire de l'événement est là, c'est impératif d'aller se faire aider par un psychothérapeute. Moi, je trouve que la première approche, la première démarche à faire, c'est d'aller voir faire un travail psychothérapeutique là-dessus, avec quelqu'un en qui on a une absolue confiance, avec quelqu'un qui, lorsqu'on le voit pour la première fois, envers qui on a envie de se livrer. Parce que le psy qui va vous regarder méchamment ou d'un air comme ça indifférent, quand il y a des blessures pareilles, il faut les fuir. Il y en a, parce que j'entends beaucoup ça en séance, puis ça m'est arrivé aussi, c'est pour ça que je me permets de dire. Mais heureusement, il y a une infinité de merveilleuses personnes et de merveilleux psychothérapeutes qui vont vous aider à poser des mots, à vous délivrer, à revivre ou pas, parce qu'on n'est pas forcément obligé de revivre l'événement. Quelquefois, c'est trop traumatisant pour le revivre, mais en tout cas, à pacifier, à mettre de la paix là-dedans. Donc, se faire aider par un psychothérapeute quand on le sait, et quand on ne le sait pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, je vois ça régulièrement en séance. Il arrive bien souvent qu'on soit porteur depuis longtemps. C'est même pas un mal-être, ça va au-delà, c'est d'un état d'être très douloureux sur lequel on ne peut mettre aucune cause, aucune origine. Et alors, quelquefois, c'est évident c'est pour ça que c'est important d'aller se faire aider, parce que les psys ont l'habitude, ou quelqu'un comme moi, j'ai l'habitude aussi quand j'entends une certaine forme de plainte, ça me met rapidement sur la piste et je me dis, bon. Écoutons-le, entendons-le, parce que ça peut être ça, mais ça peut être aussi plein, plein d'autres choses. Mais quand cette douleur-là a été occultée, j'ai beaucoup plus de femmes, hein, qui ont vécu ce genre de choses. Je ne dis pas que ça n'arrive pas aux petits garçons, loin de là, mais moi, il se trouve que j'ai beaucoup plus de femmes. Et en fait, il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais bien attirer l'attention des gens, c'est quand on est porteur comme ça. D'un mal-être profond, d'une angoisse, d'une inquiétude, mais sur laquelle on ne peut pas mettre de mots. Mais j'ai beaucoup aussi de patientes qui me disent, je ne suis pas normale, j'ai des visions, je vois des visions, je vois des choses sales, je vois, alors quelquefois il y en a certaines qui parlent, qui nomment les choses et qui disent, je vois des sexes, je vois des choses, mais je suis vicieuse. Alors du coup, elles se flagellent d'horreur elles se culpabilisent en disant, je ne suis pas normale, enfin. Et chaque fois, ma réponse est de leur dire, quelqu'un qui n'a jamais subi d'agression sexuelle n'a jamais ce genre de vision, ce genre de peur, ce genre de douleur, ce genre. Donc, si vous êtes porteuse de ça,
C'est déjà une piste, c'est déjà un commencement. Et ça, c'est très important parce que souvent, je les vois qui... Enfin, elles me disent qu'elles ont pataugé dans cette inquiétude, enfin, c'est plus au-delà de l'inquiétude, d'ailleurs, dans cette angoisse, dans ce marasme comme ça, sans oser aller plus loin en se déconsidérant. Et alors, en plus, quand elles parlent à leur entourage, si elle demande aux parents, mais pas du tout, si elle demande à la sœur, mais t'es folle, mais voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis vraiment c'est important de se faire aider. Parce qu'un professionnel neutre, qui aura justement le recul et l'expérience et la pratique de comprendre ce que la personne est en train de vivre, c'est lui qui va pouvoir le sortir du marécage. Donc c'est vraiment passer par le travail sur soi. Quel qu'il soit, mais il y a beaucoup de pratiques. Moi, je trouve que l'hypnose, l'hypnothérapie est très intéressante. Le EFT, le truc avec les yeux, là, le MDR. Mais dans ces cas-là, je trouve qu'on ne peut pas non plus faire l'économie d'un travail psychothérapeutique parce que c'est la base, parce qu'on y va toutes les semaines, parce que le psy va nous parler, va nous tendre la main, va nous... Et je le dis d'autant plus, qu'on va dire... avec certitude que moi j'avais une expérience à un moment de ma vie, j'ai été voir un psy qui s'était avérée assez décevante. J'avais même été très déçue, je m'étais dit alors ça, jamais pour moi. Donc quand j'ai commencé à travailler sur moi, c'est un travail qui a duré pendant une dizaine d'années, j'avais un peu abordé toutes les disciplines, mais pas la psychothérapie. Je me disais non, ça ne m'intéresse pas du tout, j'aime pas la manière dont il... Et en fait, c'est juste que j'étais tombée sur quelqu'un qui ne m'avait pas entendu, qui ne m'avait pas écouté du tout. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer, de faire un parcours assez bref avec un psychothérapeute assez âgé, donc il y avait eu des décennies d'expérience et de bienveillance. Et là, je me suis dit, mais bien sûr, c'est la grammaire, quoi. Il faut passer par là. Alors, il y a deux plans. Il y a le plan de la vie de tous les jours. Et je pense que ce qui m'a permis de tenir, d'abord, c'était la rencontre avec mon mari. Parce que justement, c'est lui qui m'a fait sortir de cet univers de tristesse, de solitude, de chagrin, etc. Et d'avoir rencontré, d'avoir eu la chance de vivre comme ça un amour qui était tellement passionné, c'est extraordinaire. Et donc ça, il a été mon pilier pendant pas loin de 30 ans quand même, cet homme. Voilà. En deuxième, c'est d'avoir eu la chance, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir deux petites filles, enfin qui sont devenues des jeunes filles depuis, aujourd'hui des femmes, enfin de reconstruire une famille, d'avoir le carré comme ça. Vraiment, c'est ça qui m'a aidée, c'est dans le tous les jours. C'était ça, c'était l'amour familial, l'amour conjugal. Mais sous un autre axe qui est aussi important, je ne vais pas mettre un plus important que l'autre, ça a été cette direction-là vers la voie spirituelle qui m'a permis, comme je le disais tout à l'heure, d'accueillir cette espèce d'incroyable expansion de conscience subite, puisque ça s'est produit comme ça en un temps record, qui m'a fait passer de femme ordinaire. En plus, quand j'ai eu mes deux filles, j'avais cessé de travailler. Donc j'ai passé quand même pas mal d'années comme femme au foyer. Donc j'avais la vie la plus banale, enfin banale, non, parce que mon mari avait un métier qui était très sympathique, mais enfin j'avais une vie normale, voilà. Et puis tout d'un coup, je suis passée dans des plans parallèles, on va dire, c'est ça, entre l'ordinaire et le paranormal, mais je n'aime pas du tout ce terme-là. Mais en tout cas, ce chemin spirituel m'a amenée, donc, comme je disais, à accepter ses capacités de guérison, et j'en suis infiniment reconnaissante, parce que aussi tous les jours, enfin je ne veux pas dire tous les jours, mais une ou deux fois par semaine, je reçois des gens qui sont à ce point d'ouverture auquel j'étais parvenue là, après ma grande révélation, pas forcément à la suite d'un choc traumatique, mais qui n'osent pas y aller, et qui me disent... Voilà, mes amis me disent, ou mon mari, ou ma fille, ou voilà, que quand je passe la main près d'eux, je leur fais du bien, mais j'ai très très peur, je n'ose pas y aller.
Et bon, ça, je me rends compte que heureusement, j'ai évité cet écueil-là. Et que moi, quand tout s'est réveillé en moi, je n'ai eu de cesse. Tout à l'heure, je vous parlais de l'appel et de la chose comme ça qui me menait. Je n'ai eu de cesse de continuer parce qu'en plus, je n'étais pas sûre que ça puisse se pérenniser, ce nouveau mode. Et je me disais, il faut que j'en profite tant que c'est là, il faut que je découvre. Et voilà. Et donc, en fait, finalement, extrêmement rapidement et sans aucun apprentissage et sans formation. J'ai fait des formations énergétiques, mais encore une fois, ça n'est pas ça qui m'a appris. Parce que moi, en fait, tout est revenu. Tout ce que un guérisseur, entre guillemets, je suis énergithérapeute, mais c'est il y a un autre terme pour dire ça, c'est guérisseur. On peut guérir les corps, on peut guérir les émotions, guérir les âmes aussi à un certain niveau, et un guérisseur porte ça en lui. Moi, ça avait été complètement occulté donc pendant plus de 40 ans, et tout d'un coup, ça s'est ouvert, et c'est comme si j'avais la connaissance immédiate et absolue, sans que je puisse forcément poser les mots, mais en tout cas, quand je posais les mains, ça agissait. Et je n'ai pas eu peur. Donc, j'ai vraiment tout de suite était dans ce sens-là, et j'ai continué aussi à beaucoup lire les témoignages comme ça des vies de guérisseurs, des vies de cibles, parce que ça, on apprend beaucoup du travail des autres. Déjà, j'aurais envie de dire que l'appellation qui semble insurmontable est totalement juste. Parce que ça nous semble insurmontable, les épreuves nous semblent insurmontables, et pourtant, on a en nous les capacités de les surmonter, pour la plupart d'entre nous. Il y a en nous une force qui fait que même si on est fracassé, effondré, on va pouvoir s'en sortir. Il y a une phrase qui de temps en temps me vient à l'esprit, parce que je la trouve tellement juste, je crois que ça vient des évangiles, je ne saurais pas bien la citer, mais qui dit en substance. En fait, il ne nous est envoyé que les épreuves qu'on va pouvoir justement surmonter. Et l'épreuve que je vis moi, mon voisin ne pourrait pas, et inversement. Et c'est très souvent quand j'observe la vie des gens, je me dis, mon Dieu, mais comment fait-il pour... Eh bien, il y arrive. Et puis eux se disent, j'aurais pas pu vivre la même chose qu'elle. Donc je pense déjà qu'il est éminemment, excessivement, pas excessivement, mais extrêmement important de garder toujours, même au fin fond du marasme, au fin fond du trou, la connaissance. Il faut savoir ça, c'est comme une éducation, on devrait tout le temps nous le dire depuis qu'on est petit, on pourra toujours s'en sortir. Il est vrai que certains n'y arrivent pas, et puis bon, ça se termine plus ou moins douloureusement, certains même décident d'arrêter avec leur vie parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça, c'est une chose, il n'y a pas de jugement à porter, c'est comme ça. Mais normalement, on est fait pour pouvoir traverser ces épreuves. Et comment on arrive à les surmonter, c'est justement, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, se faire aider. Vraiment, ça, c'est capital. Ceux qui ont la foi, c'est une aide incommensurable. J'ai reçu là dans l'année un jeune couple de tout leur réussissait, ces gens, ils sont beaux, riches, intelligents, ils avaient des métiers formidables, l'un et l'autre, et ils ont perdu un petit garçon de 14 mois. Et ils ont fait un parcours extraordinaire, aidés en ça par leur famille, parce qu'apparemment leur famille est très très unie, par le prêtre, ils sont allés faire des pèlerinages à Jérusalem. Enfin, quand la foi est bien vécue, bien gérée, ça peut être une aide extraordinaire. Bon, ça n'est pas le cas de tout le monde d'avoir la foi. Les religions ne sont pas toujours bien vécues, bien. Enfin, j'ai trouvé qu'eux avaient beaucoup, beaucoup de chance parce que je trouve que les religions, en tout cas la religion catholique en ce qui me concerne, souvent elle est un petit peu desséchée. En ce moment, on n'a pas vraiment, pas vraiment les réponses que l'on souhaiterait, ou enfin en tout cas moi ça n'a pas été mon cas, c'est ce que je peux dire. La spiritualité, oui. On peut se faire aider aussi. Il y a beaucoup de littérature, par exemple dans le cas des deuils d'enfants ou des deuils du conjoint ou des deuils de personnes très chères. Il y a des livres extraordinaires comme par exemple, je connais le docteur Christophe Fauré, qui est un homme merveilleux et qui écrit des choses, qui est spécialiste du deuil. Et il y en a un parmi ses livres qui s'appelle Vivre le deuil jour après jour. C'est une pure merveille.
Et en fait, il explore toutes les facettes de tous les types de deuil qu'on peut vivre et de toutes les manières dont on peut vivre ça. Et tout d'un coup, on se dit, alors on feuillette, puis on se dit, ça y est, là, c'est moi. Et là, c'est extraordinaire. Il y a aussi les livres, je pense à ça régulièrement maintenant quand j'ai des gens dans ce type de situation. Le livre de Stéphane Alix, Le Test, qui est une preuve pour les gens qui ont besoin de preuves que la vie continue après la mort et qu'il peut y avoir un lien entre nos chers disparus et nous-mêmes. C'est extraordinaire parce que au lieu d'être confronté à l'arrêt brutal, à la perte, au manque absolu, de se dire. Alors, dans les aides, il y a aussi, moi je considère que c'est une aide. J'ai mis très longtemps à le faire, je ne savais pas que ça existait, mais aujourd'hui on en entend de plus en plus parler, grâce par exemple au livre de Stéphane. Il y a des médiums qui sont spécialistes, comme ça, comment on va dire ça, des visites, hein, entre ceux de là-haut et nous-mêmes. Et de savoir. Moi j'ai rencontré j'avais un ami médecin à un moment donné qui avait perdu sa femme. Enfin, j'ai un ami médecin qui avait perdu ça, qui a perdu sa femme, pardon, et qui est, mais absolument pas, comment on va dire, intéressé par ces domaines-là. C'est pas du tout de son registre d'expérience, ni de choix, ni de quoi que ce soit. Et une de ses amies l'avait convaincu d'aller voir une médium pour que sa femme puisse éventuellement, lui parler. C'est ce qui s'est produit. Et il a été totalement, comment on va dire, comblé, en paix, rassuré. Alors il a pas poussé plus loin et c'est tant mieux parce que les médiums, l'idée, ça n'est pas de devenir dépendant d'eux, de passer notre temps chez eux, c'est pas ça. C'est juste de dire, bon, d'accord, t'es là-haut, t'es bien arrivé, tu me dis que tu m'aimes, tu me dis que tu me vois, voilà, ça me suffit. Et ça, c'est une aide considérable. Et en plus, je trouve que ça nous permet de sortir de nos petites ornières mentales. Hein, pour tous ceux qui disent, mais après la mort, il n'y a plus rien, on est dans le trou. Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On a le droit de le croire, mais c'est faux. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et on peut avoir des liens très très forts avec ceux qui sont de l'autre côté du voile. Vraiment. Et il ne s'agit pas d'être médium professionnel, mais alors, si. Aussi, se laisser la liberté de savoir que les gens qu'on a aimés, là je ne parle que du deuil en termes d'épreuves, mais enfin, c'est une épreuve que je connais bien, et de se laisser la liberté d'accueillir un signe qu'ils nous font. Parce qu'il faut savoir que les gens qui sont de l'autre côté, enfin les morts, hein, nos morts, quelquefois se mettent en 4 ou en 12 ou en 28 pour nous dire je suis là, je t'aime. Bon. Et que nous, on est muré dans notre douleur, on dit je suis tout seul, je suis triste, tu m'as abandonné. Mais de temps en temps, il y a un courant d'air tout à fait différent d'un autre courant d'air qui passe et se dire tiens là, c'est peut-être lui. Et se dire. Si ça nous vient dans le cœur, se dire, ben oui, c'est lui. De voir, je sais pas moi, un cadre qui tout d'un coup, qui est toujours bien droit, puis tout d'un coup qui bascule, une odeur, un rire, quelque chose. S'autoriser à se dire, oui, la circulation entre les deux mondes est possible. Et d'ailleurs, elle l'est parce que c'est réel. Moi, c'est pratiquement mon quotidien, mon ordinaire. Alors, je ne dis pas que j'interagis avec les décédés tous les jours, ça n'est pas ma spécialité, mais en tout cas avec ce qui se passe et ceux qui vivent de l'autre côté du voile, ça c'est sûr, c'est tous les jours. Donc je ne vais pas dire que ça n'existe pas, ça fait 20 ans que ça dure. Donc les aides comme ça, c'est vraiment important, oui, il y a lire, il y a se faire aider psychologiquement, il y a aller dans la nature est une source de guérison incroyable. Bon, il y a ce phénomène un peu qui se développe là maintenant en France, mais d'enlacer les arbres. On a toujours l'air un peu bébête, moi je trouve, quand on voit quelqu'un qui enlace un arbre, et pourtant, quand on le fait, c'est une expérience extraordinaire de. Comment dire ça? C'est se mettre en connexion avec une âme, d'une sagesse, d'une connaissance, d'une ancienneté incroyable quand on entoure les bandes. Bon, quelquefois ça demande un peu des petites secondes d'ajustement, mais bon, beaucoup de personnes sont coupées de leur sensibilité ou de leur capacité comme ça, mais se mettre dans l'herbe, sous un arbre, regarder les feuilles et le ciel,
C'est incroyablement guérisseur, incroyablement guérisseur. Il y a des choses, c'est nourrir notre psychisme, mais nourrir notre spiritualité aussi, aller dans des lieux sacrés, aller même dans les églises vides. Ce sont des lieux qui vibrent comme ça formidablement. On peut aussi assister à des messes, ça c'est pour les gens qui ont la religion en eux et pour qui elle est une aide, mais il y en a beaucoup pour qui ça n'est pas le cas, mais le lieu même. Agit sur tous nos sens psychiques, sur tous nos sens énergétiques en tant que calmant. C'est comme un baume, quelquefois, juste d'aller dans un. Je vous dis, la nature, mais aussi certains. Regardez, le succès du Mont Saint-Michel, c'est pas juste architectural. Hein. C'est parce que ça vibre d'une manière incroyable et que ça réaligne les gens, que ça leur fait du bien. Lourdes aussi, on peut y aller sans être croyant. Et on reçoit une énergie d'amour incroyable, mais non religieux. On n'est pas obligé d'associer ça à Marie, mère du Christ. On peut, voilà, c'est elle qui s'est manifestée comme ça. On peut aussi prendre ça comme une énergie universelle de l'aspect féminin du divin. Il y a des tas de choses à faire. Mais sur le plan humain, concret, je pense que c'est vraiment important, un, de se dire, ça, de toute façon, je ne sais pas combien, je m'en sortirai. Et de deux, je ne peux pas le faire seul, donc je vais me faire aider. Parce que bien souvent, nos familles, ça aussi, il faut le savoir, sont incapables d'apporter de l'aide, parce qu'eux-mêmes sont en état de sidération. Et quelquefois, quand il s'agit des preuves très importantes, que ce soit quelqu'un qui ait perdu son boulot, qui n'ait plus d'argent, qui n'ait que, bon, alors le problème du deuil, le problème de la maladie. Tout d'un coup, nos meilleurs amis, en fait, ont tellement de difficultés avec ça, sont tellement dans la douleur, mais ne savent tellement pas comment manifester leur empathie, qu'on devient un peu pestiféré, et que c'est pas toujours sur nos amis ou sur notre famille qu'on peut compter. C'est pour ça que c'est important d'aller faire appel à des professionnels. Je trouve. Alors, si on a la chance d'avoir une famille merveilleusement équilibrée qui sait dire son amour, c'est bien. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Mais quand ça n'est pas le cas, il faut vraiment pas hésiter à aller voir des professionnels. Mais j'insiste vraiment sur le fait que dans l'aspect professionnel, ce qui compte, c'est le cœur. C'est pas quelqu'un qui va avoir une technique. Bon, alors en cas de si, je lui dis ça, j'applique telle règle que Freud avait édictée et qui n'a pas bougé depuis 60 ans ou 70, je ne sais pas. C'est aller voir si quelqu'un est capable de nous donner justement l'amour que aurait pu nous donner notre mère ou notre grand-mère ou une sœur ou un truc qui n'est pas capable de faire. C'est en fait. La consolation, il faut la prendre. Si on n'arrive pas à la prendre dans notre environnement proche, il ne faut pas hésiter à aller la chercher auprès des pros. C'est temporaire, on ne va pas passer sa vie comme ça avec des thérapeutes, mais c'est ce qui nous permet de nous remettre sur pied. Et je vois ça quelquefois aussi. Alors, faut pas hésiter non plus, parce que je parle beaucoup des psys, mais d'aller voir les énergies thérapeutes. Parce que quelquefois, l'énergie qu'on est capable de transmettre à quelqu'un dans la détresse est tellement reconstructrice et tellement consolatrice que parfois c'en est miraculeux. Moi, je vois arriver des gens qui sont vraiment dans une situation de perdition, on pourrait dire, et qui déjà à la fin de la séance revoient la lumière au bout du tunnel et puis après qui arrivent à se remettre sur pied beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est une accélération de leur chemin de guérison. On ne peut pas faire la guérison pour eux, c'est impossible et il faut du temps, ça c'est clair. Mais on peut quelquefois, soit par des mots très précis qui vont parler comme ça à leur mental, soit par une émanation comme ça d'amour, du cœur ou des choses comme ça qui nous viennent de là-haut, on va dire. Enfin, en ce qui me concerne, qui est transmis par les maîtres, par les guides avec lesquels je travaille, qui va aller directement être comme un baume sur le cœur. Et puis surtout, il faut savoir que quand on vit un drame, c'est tout le corps énergétique qui est déchiqueté. Tout à l'heure, je vous disais exploser, mais en fait, ce n'est pas tellement une image, c'est réel, sauf que ce sont nos corps subtils qui sont. Mais quand on les voit, on se dit, mon Dieu, c'est pas possible. Et donc, c'est presque du raccommodage.
Et le raccommodage, évidemment, et heureusement, ça ne se fait pas comme à la main avec une aiguille et du fil, mais l'énergie, ça fait ça. Et hop, ça ressoude tout et ça remet tout en, qu'on va dire, en état de marche.